Dans cette vidéo, je vais réagir à vos meilleurs tricks. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais annoncé une nouvelle série sur la chaîne en interaction avec vous. C'est-à-dire qu'on a fait un épisode sur les pires chutes des abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir les meilleurs tricks des abonnés. Et dans le prochain épisode, nous allons voir les pires et les meilleurs skateparks des abonnés. Donc voilà, si vous voulez participer au prochain épisode, n'hésitez pas à passer par Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre skatepark, voilà, qu'il soit bien ou pas bien. En gros, parmi vous, lequel a le meilleur skatepark et lequel a le pire, quoi. C'est. Enfin bref, on va pas perdre plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner, à poser la petite cloche si mes vidéos vous plaisent. 80% d'entre vous regardent les vidéos régulièrement sans être abonné. Donc voilà, le petit abonnement ça fait plaisir. Il nous reste pas grand chose des 10 000 abonnés. Et vous savez quoi, on tente les 1100 likes pour un épisode 2. Je pense que vous pouvez le faire. Mais enfin bref, on va regarder vos meilleurs tricks. Je suis vraiment hype. Je me suis spoilé aucun de vos tricks. Enfin bref, on va commencer avec Max. C'est mon best trick. Alors on va voir ça tout simplement. Et c'est un bar whip. Franchement, bien joué, mec. Bon, le bar whip était un petit peu sale, je te l'accorde. Mais bon, c'est le premier, on va dire, c'est pardonné. Moi, ma question c'est est-ce que t'as fait un bar whip un peu plus clean après? Je ne sais pas. Mais franchement, GG, c'est déjà sympa. Ah bah, vous savez quoi, on va faire un truc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaire, c'est quoi votre meilleur trick entre autres? Ou alors en skate, si vous faites du skate, enfin bref, vous m'avez compris. Quel est votre meilleur trick? Le trick où vous êtes vraiment le plus fier. Et on verra dans les commentaires qui c'est qui a le meilleur trick. C'est mes 3 meilleurs tricks pour ta vidéo. Alors on va pas regarder les 3 parce que je vais essayer de faire passer le max de gens. Mais vous savez quoi, on va regarder celui-là. Ok, attention. Oh, petit finger kickless. Franchement, bien joué parce que finger kickless, c'est un trick que j'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes tricks préférés. Je l'ai appris il y a genre 2-3 ans et encore aujourd'hui, c'est un trick que j'aime beaucoup faire. Et franchement, il est stylé, on va pas se mentir. Regardez les gars. Franchement, pour un premier finger kick, il est vraiment, vraiment très clean. Moi, au niveau note de clean, je te mets un petit 9 sur 10 quand même. Bah, tu sais quoi, je vais regarder quand même un petit deuxième. Hein. Ok, encore plus de vitesse à de la sortie de ball. Oh, petit bar whip bar. Franchement, bien joué. Petit bar whip bar aussi, trick assez compliqué, je peux vous mentir. C'est un trick où il faut beaucoup de vitesse et beaucoup de réactivité. Et franchement, tu l'as vraiment bien mis. GG à toi. Là, pour l'instant, on commence avec des bons tricks quand même. Hein. En fait, j'ai pas regardé, donc à tout moment, il y a un mec qui est abonné à moi qui fait double flair. Hein. Je sais pas, hein, peut-être. Ok, alors, qu'est-ce que ça va être comme trick? Attention, non parce que je vois t'as mis butter de pied mais j'ai l'impression que t'as coupé la vidéo un peu vite. Enfin je pense pas que c'est qu'une impression. Ouais je sens que t'as glissé. Moi je demande une vérification, je demande la vidéo entière. Et le deuxième attention. Ah là le deuxième c'est un bri whip. Donc j'ai plus parlé du bri whip là pour le coup. Franchement le bri whip est très propre. Pour un premier bri whip franchement ça va. Voilà, bon, t'atterris, franchement, ça va. Hein. Franchement, le bri whip est maîtrisé, GG à toi, mec. Et le butter, bon, bah, comme je te l'ai dit, hein, je suis pas sûr qu'il soit validé. Mais franchement, GG à toi, c'est quand même deux tricks vraiment sympas. Ok, Julien, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah bah, tiens, ok, il va spoiler. Yo, mec, tiens ce petit kick kick que j'ai packé hier pour ton prochain épisode. Et bah, let's go. Ah, ok, et j'ai ça aussi. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas le kick kick. Attention, on va voir. Oh, franchement très clean. Petit barfinger. Alors franchement barfinger c'est un trick que je maîtrise pas du tout. Mais voilà, barfinger c'est un trick que j'aimerais bien mettre à jour. Et je pense que en vrai, si je me chauffe un peu, je peux le mettre dans une session. Bah franchement, GG à toi Julien. Très très clean. On passe au tour de Gabin. Alors j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais vu la façon dont t'es, je pense que c'est un drop. Un petit bri drop peut-être. Oh là là, let's go. Attention, j'ai prédit le trick. Hein. Mais franchement, GG mec. En plus, tu te lances quand même sur une courbe qui est, on va dire, assez grande. Parce que souvent, les bri drops, moi j'ai commencé sur des toutes petites rampes. Et franchement, t'as commencé sur une rampe assez grosse. Donc, GG, mec. Très très clean. Honnêtement, il est vraiment clean. Wesh, mon gars, bon, je te spoil pas, mais je crois qu'il y a du lourd. Je viens de Québec aussi. Bah, déjà, dédicace à toutes les personnes qui regardent mes vidéos depuis le Canada. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes en dehors de la France qui regardent mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Je suis connu mondialement ou quoi, là? Oh! Attends, incroyable! Je m'attendais pas du tout à ça, mais. Oui, butter, oui. Putain, franchement, GG, mec. Moi, j'ai vraiment hâte de voir quel est le meilleur trick, genre le trick le plus incroyable qui va être mis dans cette vidéo. Donc là, pour l'instant, t'es premier dans la liste parce que franchement, oui, butter, oui. Comme j'ai dit, ça se trouve, on va avoir un double flair dans 10 minutes. Personne sera prêt. Oh, mais mec! Mais mec, tu me choques, mais c'est incroyable. Il rewind kick brie, mais j'en ai quasiment vu aucun en plus. Hein. Putain, c'est un trick que j'ai rarement l'habitude de voir. Hein. Putain, t'es vraiment, vraiment chaud, mec. Attention. Oh, attends. Ça, c'est un trick que j'ai mis il y a quelques jours et que j'ai mis dans un de mes derniers Instaclips. Donc voilà, je me répète, je rebalance mon Insta. Mais franchement, PA, je vais t'appeler comme ça. Très, très bon niveau, franchement. Bon, alors là, c'est quelqu'un. Bon, j'étais un peu, entre parenthèses, obligé de le faire passer. En fait, il m'a envoyé son trick, je l'ai pas vu. Mais vu que je connaissais déjà ce rider, je savais déjà de quoi il en était. Je pense qu'il y en a certains qui connaissent ce rider, c'est Léonard Beaumeton. Franchement, pour son âge, il choque, hein, vraiment. Donc voilà, c'est tout simplement. 1, 2, 7, crook, je sais même pas comment ça s'appelle, je suis nul au niveau des tricks en street. En fait, on se rend pas compte à quel point ce trick est technique de fou, tu vois. Salut Mux, pour ta prochaine vidéo des meilleurs tricks, voici le mien. Et ben on va regarder ça. Oh, petit front brie. Est-ce que c'est un front brie ça? Attendez. Ah, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est un dono flip, genre. Soit c'est un front brie, soit c'est un dono flip, je sais pas. Ah bah voilà, il me le dit. En passant, c'est un dono flip, j'avais même pas vu. Bah franchement, GG mec. Hein. Ok, on est sur Louison, un de mes meilleurs tricks actuels, rotor double. On va voir ça tout simplement. Bah du coup, on est spoilé du trick. Mais rotor double, déjà, c'est un trick que j'aime beaucoup. La vitesse est prise. Oh, roll. Pour
pourquoi tu lui as fait ça. J'avoue, ton pote il a raison là. Ton pauvre casque. Franchement, GG mec, parce que vu ta réaction, je pense que t'as beaucoup tryhard ce trick. Donc voilà, c'est mérité, bien vu mec. On est sur des tricks de qualité depuis tout à l'heure, hein, franchement. Salut, je t'envoie mon meilleur trick d'après moi, back. Ah oui, carrément, ok. En back à mousse, mais bon. T'es pardonné parce que moi aussi, le seul essai de back que j'ai, il est en back à mousse. Mais franchement, rien que le fait de le lancer en back à mousse, j'étais devant le back à mousse comme un con pendant 2 jours, j'ai essayé de le lancer. Genre en tout, pendant 2-3 heures, je me lançais qu'à moitié. Bah, je l'ai lancé une dizaine de fois après, mais j'ai pas osé passer sur easy. Mais c'est vrai que c'est un trick incroyable. Oh, Eurocamp, franchement la chance mec, hein. Attention. Oh là là. Je pense que je vais vous la balancer. Je vais vous mettre l'extrait de mon backflip. Comment moi et mon pote on a pété un cap, parce qu'en fait genre c'est un rêve, mais même si tu le mets en back à mousse, c'est quand même un rêve, tu vois. Ok, voilà mes meilleurs tricks pour ta vidéo. Qu'est-ce qu'il en est? Là déjà ça prend de la vitesse. Oh, très propre. Mec, déjà j'ai l'impression que ton skatepark est incroyable. Et on a une petite deuxième vidéo. Et le petit fonderie. En plus, j'ai l'impression que les deux, c'est dans la même session, j'ai l'impression. T'as enchaîné 2 très bons tricks dans une session. Genre, j'aurais dû vous demander, en mauvais en vos meilleurs tricks, vous demander depuis combien de temps vous roulez, en fait. Parce qu'en vrai, ça m'intéresse de fou. Je sais pas depuis combien de temps tu roules, mais franchement, j'ai aimé. Yo, tiens, 2 tricks pour ta prochaine vidéo. Oh, ce skatepark, je le connais. Oh, double heel kick, oui, très très clean. Et le petit butter cup en plus. Non mais parce que tu vois, ça suffit pas. Mais franchement, quand je vois la box que t'as, ah, ça donne envie. Je t'avoue, ça donne envie. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des très très bons niveaux, tu vois. Parce que là, franchement, depuis le début de la vidéo, tous les tricks sont vraiment pas dégueux, ils sont incroyables. Je vais commencer à complexer avec vos niveaux. Je sais, c'est pas ouf, mais bref, c'est mon meilleur trick pour ta nouvelle. Pour ma nouvelle vidéo, je suppose. Je sens, je sais pas pourquoi, hein, je sens que c'est de la fausse modestie. En mode, c'est un triple fer, mais enfin, c'est pas ouf, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que ça va être? Petit trick open track. Mais on est quand même sur un kickless, mais il faut quand même avoir un bon niveau pour lancer kickless. Donc franchement, GG mec. On est maintenant sur Matisse, mon meilleur trick. Qu'est-ce que ça va être? Je vois ton emoji, je vois l'emoji que t'as mis. Je sais pas ce qu'il veut me faire dire en fait cet emoji, tu vois. Oh yeah. Ah oui, carrément, tu t'es effondré quoi. C'est bon, j'ai mis ce trick, j'ai plus rien à accomplir dans ma vie, c'est bon. Ton skatepark il est mal foutu, genre t'as une sortie, mais t'as un truc en plein milieu. Genre t'as un truc en plein milieu de la sortie, c'est horrible. Genre t'atterris sur le trou. Ah du coup c'est chiant genre. Ah c'est dommage. Mais franchement le trick est 100% validé. On est, mais vraiment les gars, je vous le dis, on est que sur des tricks de qualité. Encore une fois je vous la rappelle, mais n'hésitez pas à mettre vos meilleurs tricks dans les commentaires. Ok, pour la vidéo meilleur trick des abonnés, je sais pas pourquoi, mais vu ta photo de profil, je m'attends à du lourd. Parce que ta photo de profil est vraiment stylée, je trouve, hein. Ah oui, ok, ouais. D'accord. Ah oui, ok. Je suis vraiment amoureux de ce trick, il est incroyable. En fait, ce trick, j'ai un blocage parce que j'ai peur de le prendre soit dans le menton, soit dans les... T'as compris. Je me sens pas encore prêt mentalement pour lancer ce trick, mais j'espère le mettre un jour. Et le deuxième trick, attention. Ouais, j'attends là, par contre, j'étais pas prêt là. Tu sais, c'est le genre de trick que tu vois jamais d'habitude. Parce que 3-6 back, enfin, tu vois des 5-4 flares, tu vois des flares. Mais des 3-6 back, je vois, j'en vois jamais. Pour l'instant, t'as le meilleur trick de la vidéo. Peut-être que ça va changer. Vous savez quoi, on va finir par 3 derniers clips. Peut-être que dans les 3 derniers clips, il y aura le meilleur. Salut mec, je commence à voir tes vidéos sur YouTube et je kiffe bien. Bah, merci beaucoup mec, ça fait vraiment plaisir. Donc, au cas où, je t'envoie une vidéo. Et bah, on va voir ça. Déjà, on est sur du Marseille, ça fait plaisir. Franchement, ce parc, bah, c'est ce parc où j'ai fait mon trail de back. Ah ouais. Non mais ce trick j'ai jamais compris mec. J'ai jamais compris comment vous arrivez à faire double bris. Même le geste en flat je ne l'ai pas. Avant-dernier participant, et là je vois que t'es au hangar à Nantes. Skatepark que j'aimerais trop rouler. J'espère le rouler en 2022. Et du coup qu'est-ce que c'est que ce trick? Oh là là, petit backflip, oui. Mais GG à toi mec, c'est très impressionnant. Et on va finir par qui? Je ne sais pas. Ouais, je t'envoie mon meilleur trick pour la vidéo, les meilleurs tricks des abonnés. Et attention, déjà le ball est stylé. Je sais pas qui s'est occupé du tag du ball, mais franchement les deux couleurs vont bien. Je note l'esthétique des skateparks en même temps. Oh là là mec, c'est tellement clean. C'était beaucoup trop clean. Mec, t'as la médaille du trick le plus clean de cette vidéo. Attends, on se repasse pour le plaisir. Ah ouais mec, la replaque. Et le deuxième trick, qu'est-ce que c'est? Le dernier trick de cette vidéo. Ah ouais, carrément quoi. 3-6 bribar, très très beau trick. Et puis bon, je sais qu'il y a encore pas mal d'invitations aussi, pas mal de tricks que vous m'avez envoyé mais que j'ai pas pu voir. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour toutes les participations, ça fait vraiment plaisir. Je vous invite vraiment à poser le petit like ainsi que le petit abonnement avec la cloche. Je l'ai redit, mais objectif 1100 likes, ça fait plaisir pour un épisode 2. N'hésitez pas à passer sur Instagram pour participer à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sur les meilleurs et les pires skateparks. Parmi vous, lequel a le meilleur skatepark, lequel a le pire skatepark, c'est ce que nous allons voir dans quelques semaines. Et moi je vous dis salut à tous les gars, c'était Mugs.